Salut tout le monde, donc je retrouve aujourd'hui pour la pose des fers. Donc là on avait déjà planté celui-là de l'autre côté. Donc on va faire une sorte de platine. On va souder le fer dessus et puis on va le boulonner au sol. Parce qu'en dessous j'ai la cave et donc on pouvait pas creuser pour dire de faire un baudet en béton. Donc là on a fait les niveaux entre chaque et après bah, il ne reste plus qu'à le souder dessus, après percer pour le boulonner dans le béton et après bon, pour installer le fer qui va d'un bout à l'autre. Après bah, là je vous avais pas repris depuis, j'ai terminé la hauteur du mur. Là il ne reste plus qu'à faire un coffrage pour couler une sorte de linteau tout en haut. Ça on verra si on a du temps cet après-midi pour faire ça. Donc bah, je vous laisse avec bah, l'installation des fers.
Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui. Donc plusieurs choses. J'ai vu les commentaires du mur. Donc je peux pas rien vous dire par rapport à ça parce que je sais que vous avez raison. Parce que moi le premier, je savais que je l'avais, on va dire, j'étais mal parti. Donc après pour là j'aurais dû par exemple couper là puis mettre un entier. Je l'ai pas fait pourquoi ? Parce que je sais pas en fait. Quand je suis parti, je me suis dit les par plein de coins comme ils sont. Enfin, je sais pas, ouais, j'ai voulu partir avec un entier sur le coin. Après, c'est tout, c'est fait. Après, par contre, pour ces endroits-là, là je suis parti avec le parpaing entier comme ça, et puis là j'ai coffré pour remplir. Donc là par contre je savais pas trop comment faire pour parce que je voulais pas remettre un bout de parpaing au bout, alors je sais pas. Ça s'il y en a qui savent quand une petite partie comme ça à faire, s'ils savent comment faire, je suis preneur. Après, autre erreur. Donc là j'en ai fait voir. Là, j'ai rempli au sable, et j'ai pas mis sable gravier, les parpaings de coin. Donc, là, j'avoue, je savais pas trop comment faire. Parce qu'au départ, c'est ce que je voulais faire. Mais quand j'ai voulu poser les parpaings, à chaque fois, le ciment d'ici, en fait, il partait dans le trou quand je voulais le mettre. Et puis après, j'arrivais pas à régler, en fait. Si je voulais régler le parpaing, en gros, je devais enfoncer carrément parpaing contre parpaing. Donc ça, pareil, ça, j'avoue, je ne savais pas trop comment faire, donc je me suis dit, je vais remplir hier au sable. Après, ils sont ferraillés, il y a deux barres de 10 dedans, donc ça devrait pas bouger. J'ai vu, il y avait un commentaire qui disait, si je fais un chaînage au-dessus, ça va aller. De toute façon, le chaînage était déjà prévu, là, il est là. Donc là, aujourd'hui, je vais vous retrouver pour couler ça. Et après, c'est tout. Et que sur ce coup-là, j'ai pas été très, très bon. Mais après, c'est surtout pour celui du milieu. Je trouve que j'aurais dû couper ici, en mettre un complet là pour dire vraiment tout croiser, on va dire. Mais après, pour les côtés, par exemple, comme celui là-bas, en fait, le jour, je l'ai gardé derrière. Comme ça, je pourrais passer mes câbles pour mon tableau électrique, ma VMC, tout ça. Donc, je vois pas ce que j'aurais pu, enfin, comment j'aurais pu faire autrement. Donc, pareil, si vous avez la solution, je suis preneur. Enfin, après, je recommencerai pas celui-là. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, après, vous m'avez quand même pas mal caché un commentaire, hein, ça y a été. Mais bon, après, c'est tout, j'accepte. Hein, quand on fait des conneries. Après, Donc, pour le chaînage, qu'est-ce que j'ai prévu? Parce que je sais que ça vous travaille. Donc, pour le chaînage, j'ai prévu un carré de... j'ai pas les termes en tête, mais en gros un carré comme ça. Dedans, après j'ai mes ferrailles qui remontent à chaque fois que j'ai replié à l'intérieur et puis je les ai ficelés avec la barre là. Au-dessus d'ici, j'ai rajouté deux barres de 10. Donc il y en a un que j'ai ficelé comme ça au milieu du carré et puis j'en ai remis un à l'intérieur du carré. Et pareil, en fait j'ai les ferrailles, le bout je l'ai pas encore replié. J'ai les ferrailles qui remontent à chaque fois. Donc dans le coffrage que j'ai fait là, c'est pareil, j'ai mis des ferrailles aussi qui dépassent au-dessus puis que j'ai replié comme ça. Donc là en gros le carré fait tout le long
Après là j'ai mis 2 barres de 10 en plus. Au-dessus là-bas j'ai pas rajouté de barres de 10 parce que ceux qui remontaient des murs de chaque côté, et ben, je les ai repliés comme ça et puis ils dépassent en fait celui-là dépasse par là. Et celui-là dépasse par là, donc j'en ai pas rajouté. Donc là je vais étayer aussi en dessous, au cas où pour le pot, je vais étayer là en dessous. Après de ici normalement je suis bon. Il n'y a que de l'autre côté, je crois que j'ai encore quelques vis à remettre. Et après là je vais aspirer un coup à l'intérieur parce que quand on a démonté le bout de bois, là on a dû recouper le plancher ici. Parce que là, il reste encore un bassin tout long. Et quand on l'a démonté, il y a plein de poussière qui est tombée dedans. J'aspire ça et après bah c'est parti pour le coulage. J'allais oublier. Donc j'ai vu qu'il y en a un qui a mentionné comme quoi ma dalle n'était pas droite. Donc là sur ce coulo je suis pas trop d'accord. Je veux bien, je fais des erreurs tout. Mais après là dessus je suis pas trop d'accord parce que bah, déjà d'une après si elle était vraiment pas nickel, on va dire que c'est pas trop grave parce que j'ai mon isolant plus ma chape après, donc ça gêne pas trop. Après oui c'est sûr il faut pas qu'elle ait des trous de 5 cm quoi. Mais après voilà pour vous montrer donc le niveau. Et voilà, donc je pense qu'elle est pas trop mal. Après, il y en a qui vont me dire ouais, t'as placé le bois avant, donc là je peux du sol. Donc là, ouais, là-bas en dessous il y a un peu de jour, là-bas il y a rien, jusqu'ici il y a rien, là il y a un petit jour, mais bon, voilà, c'est pas méchant, donc ça gênera pas pour la suite. Après, pour le niveau ferraillage, ouais, je les ai pas ficelés ensemble les trilles, mais je les ai fait se chevaucher. Après, voilà, c'est une maison, c'est pas un garage, on va juste marcher, quoi. On va pas rentrer rouler avec une voiture à l'intérieur. Personnellement, je pense pas que ça bougera. Après, l'ancienne maison, je l'avais fait comme ça aussi, et j'avais pas une seule fissure dans le carrelage, j'avais rien. Après, la terre qui est en dessous, elle est là depuis 150 ans, donc s'il y aurait du stasel, elle se serait déjà tassée depuis un moment. Donc voilà. Bah, je vous laisse avec le chaînage au-dessus du mur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si cela n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sort tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta. Donc je vous mets juste ici. Et nous vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! You are meant for me.